les lances, ta mère, dépêche toi. C'est pas chaud, mec, retard, c'est la mec. Merde. Mais t'es sûr? Bon, vas-y, nique ça. Oh no! Oh no! Oh no! T'es sérieux? Oh, c'est la merde! Ouh! Et salut à tous! On est chaud! Et moi c'est Jésus Sharp les gars, et je suis aujourd'hui avec Vander d'Endure, ça y est, on voit enfin nos visages, nos gueules, voici Vander. Salut mon Jésus, salut, comment tu vas? Bah moi ça va bien, ça fait plaisir. Bah écoute, première, on est chaud, on est méga chaud. Mais oui, ah je vois plein de monde sur le chat, ça fait plaisir. Coucou Gotlav, Kikou Fifouflo, tout ça. Salut les gars, comment ça va? Ah ça fait plaisir de voir les gueules et tout. Ah ça fait plaisir, ça vous roxez les gars, ça fait plaisir. On n'est pas tout seul, ça fait plaisir. Ah c'est cool, ah, on est chaud. Bon, ben bonjour à tous, bienvenue sur la première de Jésus et Vander, ça y est. Donc le lancement de la chaîne Twitch qui fait suite à la création il y a quelques mois de la chaîne YouTube. Oui, il y a mois de juin, donc mois de ça juin. Fait 9 mois, le temps d'une gestation. Voilà, j'ai mis 9 mois à accoucher. Voilà. D'accoucher de la chaîne Twitch, tranquille, c'est cool. Bah donc, chaud. Bah ouais. Flo aussi, il est chaud. Tout le monde est chaud. Ah bah ouais, mais grave, bah oui, on voit pas vos têtes encore, mais bon, on va faire un multiplex un jour avec la gueule de tout le monde, tu sais, ça va être vachement pratique, ça va être cool, ça va être carrément frais. Bon alors comment ça va se passer aujourd'hui du coup? Raconte-nous tout ça. Et bah programme du jour, déjà dans un premier temps, on va vous dire à quel point on est chaud. Alors attendez, je monte Vander, allez-y, continue à parler. Une fois qu'on vous a dit à quel point on sera chaud, on va faire une petite présentation de la chaîne. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, dans quelles circonstances, etc. Vous présenter un peu l'agenda, les plages horaires, tout ça. Et ensuite nous partirons en game, puisque nous allons partir en game. Oui, alors on vous dit pas encore sur quoi on va jouer. Ce qui est sûr, c'est que ça va être de la coop, donc c'est normalement on le torche aujourd'hui. Vu qu'il y en a qui étaient déjà sur la chaîne YouTube, bah vous savez à peu près que je vois que ça troll sur le nez de Vander en même temps. Ça me fait gollerie, c'est pas bien. Mais nique ta mère. C'est pas bien. Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Je t'ai monté, mec. Est-ce que c'est suffisamment monté? Je suis en même temps, donc dites-moi si c'est assez ou pas, sinon je le monte encore un peu plus, mais en même temps... Attends, j'ai une idée. Si je fais ça, est-ce qu'on m'entend mieux? Mais oui, on t'entendra forcément mieux. Est-ce que là, on m'entend beaucoup mieux? Oui, c'est sûr. Bon. Je ne vois que le nez de Vander. Toi, tu vas te calmer, mon gars. Fifou Flo, en plus, ton pseudo, mec. Mais pourquoi t'as créé un compte comme ça? Sérieux, Flo, tu déconnes. Mais c'est là, mec, c'est le Fifou Flo. C'est mec. Le Fifou c'est... c'est Flo le Fifou. Bref, donc oui, on va jouer à un jeu qui est apparu très brièvement sur la chaîne YouTube, qu'on a failé. Hein. On a failé 2-3 fois. Donc il a redisparu aussi vite qu'il est venu. Ouais, en fait, c'était un peu compliqué. J'étais à Londres, toi, t'étais à Paris. Voilà, on avait des problèmes de connexion. Chaud, ouais. Ça laguait, c'était un peu. Et puis moi, j'étais nul. C'était un peu le bordel. On vous entend bien, c'est bon. Merci beaucoup, Fifou. Formidable. De ton approbation oreillale, comme on dit, audicale. Donc bah écoute, c'est parti, je te propose tout de suite qu'on se lance sur le planning. Et bah écoutez, regardez bien la magie du direct. Pow! Oh man! Oh! Direct. Voilà. Excusez-moi, hein, comme d'habitude pour ceux qui suivent la vidéo Diablo, je tousse. Donc le planning, le fameux planning, donc qui va être composé de différents types de programmes, des programmes solo, des programmes duo, des programmes où on dort, ça c'est voilà, les programmes où on sera pas là en gros. Vas-y mon Yo, je t'en prie, mon Jésus. Alors l'idée c'est que vous retrouvez en fait des rendez-vous réguliers, donc vous savez à peu près toujours à peu près à quoi on va jouer assez régulièrement, des trucs exceptionnels, des trucs en coop et des trucs en particulier, c'est-à-dire des trucs qu'on streamera absolument tout seul, ça bougera un petit peu. On va commencer par le début du début, tous les jours vous aurez le droit à Morgan Free Time. Alors qu'est-ce que c'est que le Morgan Free Time? C'est tout simple, c'est un espèce de pot pourri, on va jouer un peu à tous les jeux qu'on aime, qui sont plutôt récents. Il y aura pas beaucoup de rétro gaming, il y en aura peut-être, mais à mon avis ce sera pas très courant. On pourra faire du MOBA, on pourra faire les playthroughs, généralistes se feront plutôt là-dessus je pense. L'idée c'est que vous ayez un rendez-vous voilà sur l'heure du goûter pour manger vos petits BN tranquillement, devant du gaming assez cool, on fera la teuf, ce sera assez sympa. Ça durera donc tous les jours 3 heures, vous voyez, de 17h jusqu'à 20h. Le mercredi on commencera un petit peu plus tôt, mais ça on vous expliquera plus tard pourquoi. Et ensuite, le reste, on passera directement à des primes, qui sont des grosses émissions de 4 heures. Mm-hmm. Donc vraiment avec des thématiques cette fois plus fixes.
Il y aura deux émissions chacun en solo et ensuite deux émissions qui se feront elles en duo, donc qui seront 100% coop, sachant que même dans les Morgan Free Time, on s'invitera de temps en temps, je pense. Oui. Voilà, pour faire des petits coop inopinés. Très certainement. De toute manière, faut savoir que ce sera un planning, donc c'est le planning que nous on a prévu aujourd'hui, mais que bien entendu, il y a rien qui est fixé, que si vous avez des envies, que si on a des envies, les choses peuvent être amenées à modifier. Petite particularité, donc tu parles du mercredi. Yep. Donc mercredi un Morgan Free Time un peu plus court que les autres. On a dit qu'on était sur du 2h, parce qu'ensuite on a des idées d'émissions qui doivent se faire, mais qui se feront pas, en tout cas pas cette première semaine, hein, puisqu'on est sur la semaine d'ouverture et qu'il faut le temps que la machine se mette en marche, voilà. Tout simplement. Donc mercredi en tout cas à venir, sachez que vous aurez du Morgan Free Time de 16h à 20h, si je ne m'abuse. Ah, donc 4h de Morgan Free Time. On aura du 4h. Ce sera du Morgan Free Time coop ou pas du probablement coup. Du Morgan Free Time coop, ouais, probablement du voilà. Morgan Free Time. Donc on est en train de vous annoncer qu'on va streamer en fait le mercredi pour le moment de 16h à 2h du matin. Donc, voilà, exactement. Donc, chose qu'on vient se rendre compte en fait en même temps que vous, de la cohérence des trucs. On est au top. Voilà. Ensuite, les prime time, comme tu l'as dit, donc des prime time qui vont être là sur des programmes plutôt individuels, où on va jouer chacun de notre côté à différentes choses. Donc là, on s'est fait chacun notre petit mix. Donc comme vous allez pouvoir le voir, lui Jésus va être plus sur du multi gaming, puisqu'en plus lui c'est un aficionado de l'indies. Voilà. Donc là, on va être plus sur du multi. Après voilà, il y aura un peu de MOBA, puisque vraiment en tout cas je veux faire du MOBA. Il y aura un peu de hack and slash RPG, et puis lui de son côté, mon petit Jésus, tu seras toi, ouais, donc sur l'Indies is Pretty, sur un peu de The Glory Hole. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le Glory Hole? Alors je vais expliquer ce qu'est le Glory Hole en même temps que je me rends compte que j'ai niqué la game. T'as niqué la game, c'est-à-dire? Non, c'est juste pour les follow, parce que je crois qu'on a eu un follower, donc je te salue, mais je ne peux pas voir qui tu es parce que j'ai oublié de mettre le fond comme un connard. Salut le follower. Alors je vais faire deux choses à la fois, ça va être assez compliqué, mais en même temps on va falloir prendre l'habitude, donc c'est plutôt cool. Hop. Donc le Glory Hole, c'est très simple, comme son nom ne l'indique pas, je vais me prendre des sgegs sur LOL toute la journée, ça va être comme génial. Lab. Que de la ranked. Il faut savoir que si vous voulez savoir ce qu'est le LOL, bah je vais le vivre, hein. Je vais le vivre parce que je suis bronze 4, donc en fait, je suis au fond du LOL, trou. C'est lui. Je suis au fond du trou. Regardez comment on fait une chroma key, les gars. Ouh, disparition, voilà, c'est ça le talent. C'est ça le talent. Vous n'avez rien quel vu. Talent. Et je vais le mettre là. Quel talent de Jésus. Et donc voilà, que de la ranked pendant 4 heures, que de la ranked, on va faire un main support, donc comme ça on est bien sûr de carry les games. Bien perdre. Comme ça on est sûr que nice. Ça va vraiment bien nice. Se passer, tu vois. Si vous voulez troller, si vous voulez taper des... Oh le Matt Bess. Salut le Matt Bess. Allez. C'est le pote Matt Bess. Et ben voilà. Donc le pote Matt Bess qui vient de nous rejoindre, qui lui aussi est un adepte du Glory Hall, peut-être pas pour les mêmes raisons. Je n'en dirai pas plus, je le laisse se présenter à vous. Voilà, donc Mobad Boulard. Ah oui. Et pour finir, puisqu'on a parlé des prime time, on n'a pas parlé des nocturnes. Donc les nocturnes qui se feront... Mais on n'a même pas fait le tour des prime time, ouais, mec. Les prime time, on a fait... ça y est, on en a parlé. On a parlé du MOBA, on a parlé du hack and slash, on a parlé de l'indies et on a parlé du Glory Hole. C'est vrai, je ne t'ai pas écouté pendant ce temps-là parce que j'étais en train de perdre ma chroma key, mec. Je peux pas tout faire. Donc deuxième partie de soirée, de minuit à 2h ou de minuit à plus tard. Ça va dépendre de notre humeur, de votre humeur, etc. Là, on va avoir les petits programmes nocturnes. Qui ont, c'est exactement voilà, ça, Fifou Flo. Programme adulte. Qu'est-ce qu'il raconte? Rocket de noobs pour les noobs, fait pour les noobs, voilà, c'est parfait. Si tu veux apprendre à devenir nul, tu viens nous voir. C'est voilà, tu si viens me voir, bon, là normalement t'es bien, là t'es bien. Comme tu veux. Donc la Madeleine de Vendère qui sera en fait une petite rétrospective des jeux auxquels j'ai pu jouer ou auxquels j'ai pas joué mais auxquels je voulais jouer il y a quelques années. Donc là on va partir, c'est du rétro mais sans être du rétro, c'est-à-dire que je vais pas partir dans le rétro gaming console, moi je serai essentiellement rétro gaming PC. Voilà, l'objectif c'est de vraiment tester des jeux ou rejouer à des jeux auxquels on a joué, sur lesquels on s'est fait bait like a boss, puis essayer de les finir quoi, parce que c'est un peu galère. Moi je suis vraiment fou sur LOL, ça fait 2 ans que je suis level 19. Gotlaf il est quand même... tu viendras jouer avec moi, ouais, mec, on sera bien. On va te carrer en normal game. On va te carrer en arame si tu veux. Voilà, et puis après on a l'émission pour adultes, très important, l'émission spécialement pour adultes, le boudoir de Jésus Short.
Oui. Le fameux boudoir, peut-être. J'ai hâte. Alors, cette émission-là, j'ai vraiment hâte parce que ça va être n'importe quoi. Ça va être vraiment n'importe quoi. Donc, bah, pendant 2 heures, vous irez avec dans le boudoir avec moi à base de cuir, de latex et de jeux bizarres. On fera beaucoup de rétro gaming, je pense. Je sais déjà sur quoi on va commencer. Il y aura peut-être pas beaucoup de playthroughs suivis sur ces trucs-là parce que c'est pas forcément le but. C'est vraiment de se taper des barres et de jouer sur l'ambiance du boudoir, etc. Bien sûr, sous l'œil bienveillant de la baronne qui vous donne les conseils du chat juste en dessous, La si vous fameuse regardez. baronne La fameuse baronne de Rothschild qui est quand même la plus formidable du monde. du porno. Voilà, on fera aussi du On fera porno. du porno. Il y aura des films de cul, Il y mais aura généralement quelques c'est nous qui films allons de nous faire cul. prendre. Enfin, Et c'est. si vous êtes assez nombreux, il y aura très probablement de la radio libre pendant ce moment-là. Très Très probablement. probablement de la J'en dis radio pas libre. plus, mais ouais, comme on a passé les minuit, on peut commencer à sortir les dossiers et tout ça. Donc, Nice. ça se passera là, les gars. Minuit, deux Nice. heures, réservez vos soirées parce que ça va envoyer du bois, je pense. Vous pouvez fermer YouPorn, les gars, on va Voilà, chier. c'est ça. En fait, en gros, je mettrai tube en chroma key et je vais vous l'envoyer pendant toute la soirée. Non, je déconne. Ok, bah ça, c'est fait. Ouais, je voulais qu'on fasse un. Est-ce que tu pourrais nous faire, enfin je voulais qu'on fasse, il faudrait qu'on fasse un petit point sur les abos. Comment ça va se passer pour les abos? Alors, les abonnements, c'est un peu particulier parce qu'avec le système Twitch, en fait, il faut qu'on ait un minimum acquis de followers et de gens qui viennent régulièrement sur la page pour aller ensuite voir Twitch et essayer de négocier un statut d'affilié. Pour avoir le statut d'affilié, il faudrait qu'on soit en grosso merdo à une centaine de viewers quotidiens qui arrivent régulièrement, etc. Et ensuite qui vous permettront donc du coup de vous abonner à la chaîne et qui nous permettront. Salut Amir qui vient d'arriver, gros bisous. Salut Mia. Donc pour le moment, faut savoir qu'on touche pas vraiment de sous sur nos pubs, mais qu'il faut quand même pas désactiver AdBlock parce que les tics vont être comptés dans les statistiques. Ça, c'est vachement important. Qu'on n'a pas de revenus sur les abonnements, et donc les seuls revenus passent plus ou moins par les donations qui sont en dessous sur passe un bac chiche, tranquille, Ouais, tu vois. glisse le bac Donc si chiche. par hasard vous savez pas quoi faire de vos PO, vous en avez trop, vous nous les envoyez, nous Ouais, on les ouais. dépense, on s'achète des putes et de la coke, tout ça, donc tout se passe bien. Nickel, au calme. On est bien et donc voilà. Donc a priori les abonnements, tout ce qui est abonnement, chat particulier, ce que vous pouvez avoir sur les gros channels Twitch, ça viendra avec le temps, avec les petites modifs techniques aussi qu'on va apporter dans la semaine, si tout va bien, parce qu'on a essayé un système super compliqué avec 20 milliards de câbles et tout ça, et on s'est rendu compte hier à 3 h du matin, Il nous manquait les voilà, au splitters bout de pour le la, son. pour un putain de splitter son de merde qui devrait arriver dans pas longtemps. Donc on vous expliquera plus, enfin vous verrez tout simplement ce que ça va apporter, ce que ça va apporter un gros plus au live, mais ça ne viendra que courant de semaine. Donc là pour le coup, revenez nous voir souvent pour voir un petit peu la nouveauté. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est en train d'essayer de se bricoler une régie quasiment pro avec un budget de 300 balles. Donc Ah, on commence vraiment très très chaud. Hein. Le truc que vous voyez pas, c'est que là on est en train de pédaler en même temps pour qu'Internet voilà. fonctionne. C'est un Donc peu si on tendu. y arrive, ce sera Mais si l'exploit, ça mais marche, voilà. Donc, ça va être bien. Vous aurez vraiment un contenu hyper quali. On pourra faire des trucs à deux, switcher les écrans, etc. Enfin, vraiment, on va avoir quelque chose de bien qui sera peut-être, enfin, qui sera même sûrement plus agréable bah pour vous à regarder. on essaie vraiment enfin de se casser le cul pour vous faire un truc vraiment Voilà. propre le plus tôt possible et que ce soit agréable pour tout le monde tout simplement et que qu'on puisse suivre en coop l'écran de l'un puis l'écran de l'autre en ayant les switches de son etc. Donc vraiment vous faire un truc quasi qualité pro avec les moyens du bord. Donc voilà, donc pour l'instant c'est la promesse sur le contrat. On espère que ça va On marcher. Si espère. tout Et on fonctionne, croise les ça doigts. viendra courant de semaine. On croise les doigts et ça devrait venir, voilà, courant de semaine, éventuellement. Non, non, de courant de semaine. Courant de semaine, il n'y a pas d'éventuellement. Ouais, bon, bah alors ça viendra courant de Courant de semaine alors, semaine. puisque on vient de me mettre la pression en disant faut que ça marche, sinon t'es dans Exactement. la merde. Ok, Il faut très savoir bien. ce qui est le. C'est Voilà, il faut rigolo. savoir que Jésus est le régisseur technique. Ah Et qu'hier, il en a bien bavé. Voilà, le pauvre. un peu, j'en avais marre du petit boîtier qui nous a rendu fou là. Ceci étant dit, Ceci n'oubliez étant. pas aussi, parce que j'ai vu qu'il y en avait plein qui ne nous suivaient pas encore sur les réseaux sociaux là, ici là. Alors qu'est-ce que vous faites là? Bon, alors les abonnés, je sais que vous êtes tous abonnés les gars, parce que là, les gens que je les reconnais tous. Par contre, je vous ai pas sur Twitter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Même Pourquoi ils vous ont n'êtes pas pas de sur compte Twitter Twitter, encore? genre Foufiflux n'a pas Allez de sur compte Twitter. Twitter. Inscrivez-vous sur Twitter, ne prenez qu'un seul abonnement, mais prenez-le chez nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce Eh ben, bandeau-là sera là tout le parlons des temps. réseaux sociaux. Donc là, vous avez le Jésus et Vendeur, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver un peu plus bas, dans la description de la chaîne, vous retrouverez le Neuratorien. Vous cliquez dessus et vous serez abonné. C'est magique. Vous allez voir, c'est magnifique. Ce sera Comme ça, formidable. vous ne ratez plus aucun playthrough. Vous ne ratez plus rien. Surtout ceux qui sont en train de suivre Diablo, qui est extraordinairement bien. Enfin, le Et meilleur extra. playthrough, le meilleur C'est le, playthrough. bah, genre, Ah bah c'est le vraiment le playthrough. meilleur Enfin, c'est playthrough. le playthrough. Avec un gameplay extraordinaire, genre, trop bien fait. Mais je ferme pas les pages avant, j'ai fermé les. Putain, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas mis la page.
Voilà, quoi d'autre, mon Jésus? Les petits conseils de la baronne également. Vous pouvez retrouver les conseils de la fameuse baronne que vous retrouverez le soir avec dans le boudoir et qui prodigue des conseils intéressants. L'agenda, on est passé dessus. Le menu, on est passé dessus également. Si vous avez des questions sur toi, le menu, toi t'es passé sur qui tu veux, mais moi je suis pas passé sur les trucs. T'es pas passé sur les trucs. Non, je suis pas. Non. Non. Calme-toi tout de suite. La baronne, elle commence à taper, mec. Pour ceux qui ont des questions éventuelles sur tout ce qui est programmation, sur le nom des... Qu'est-ce que c'est déjà cette émission, je me rappelle plus, etc. Vous scrollez down, vous retrouverez en bas, sous la vidéo, vous allez retrouver les différents éléments. Vous retrouverez également nos configs, si vous avez des questions sur les configs, vous retrouverez les contacts et vous retrouverez les jeux qu'on a déjà terminés, donc les campagnes complètes que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, ouais, exactement. Voilà, et puis mais je crois qu'on a fait le tour, mon cher. Bah écoutez, ouais, est-ce que vous avez des questions? Non, elle n'a pas de 06, la baronne. Calmez-vous, calmez-vous. Chargement de page depuis 5 minutes, je suis deg. Ah bah alors là, c'est pas de notre faute si t'as une tondeuse en guise de PC. Ouais, chargement de page depuis 5 minutes, je suis deg. Bon, en même temps, ouais, t'as pas raté grand-chose, il y a Jésus qui a parlé, c'était nul. C'est vrai, c'était pas très intéressant. Voilà, bah écoute Mire, juste là pour te refaire un petit vite fait, on a juste dit que tu pouvais retrouver tous les éléments en bas de page. Si t'avais des questions, quoi que ce soit, on sera toujours là pour y répondre, mais n'hésite pas à redescendre en bas de page si t'as besoin. Tu retrouveras les agendas, tu retrouveras le nom des émissions, tu retrouveras qui les fait, comment, etc. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose à vendre? Tu as essayé en qualité low. Ah oui, bah oui. Non, je parle à Mire en même temps. D'accord, voilà. Je comprenais pas. Je voyais mon nom, je me disais, merde, mais pourquoi Pourquoi Il n'y a pas que le tien, il y a le mien. C'est Jésus et Vander, mec. C'est comme ça. Bah, le plus important, c'est toujours le deuxième, tu vois. Ah bah oui, forcément. PC en mousse. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter? Est-ce que vous-même, vous avez des choses? Voilà, est-ce que vous avez des questions surtout? Est-ce qu'il y a des petits points qu'on n'aurait pas traités, qui vous titillent, tout ça? Je sais pas comment on fait. J'ai fait un compte Twitter. Je te laisse entre les mains experts de notre régisseur technique. Ben ça sert à rien, s'il a pas de compte Twitch, il nous voit pas. Si, il peut nous voir, il peut juste... Ben si, il l'a fait. Là, ah non, c'est pas le PC, c'est le débit, j'ai un Alienware. Bah écoute, achète-toi la fibre, voilà. T'as un Alienware, je t'ai fait carotte, je te dirais. J'ai fait la même chose il y a quelques années. Never again. T'as payé un PC 20 000 boules? Bah ça marche pas. Never again. Bon, donc a priori pas de questions, donc on va partir, Place on au jeu. On y va, place au jeu. Place au jeu. Ça y est, c'est le grand moment. Nice. Je vais sûrement devoir faire une chroma qui est dégueulasse parce que j'ai encore oublié le truc de follow sur le truc de... C'est pas grave, c'est mais pas non, grave. On l'avait fait. Je la ferai à la... Oui mais j'ai tout enlevé moi depuis, malheureux. Ah oui, non, mais je suis comme ça, moi j'ai viré les trucs, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors est-ce que vous êtes chaud ou pas? On est parti dans... 3, 2... Ah bah non, pas du tout, parce que le jeu n'est pas du tout lancé. Mais mec, t'es même pas dessus! Qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais c'est ce que je suis en train alors de... attendez, on attend Vander d'Endure. Vander d'Endure, le mec, il se rend compte qu'il est pas sur le jeu du tout, il a rien de lancé. Il y a une game déjà de créer sur laquelle je suis dessus. Là, bah écoute, je ne sais pas. Non. Tu veux que j'en recrée une? Ouais, volontiers. Bah ouais. Écoute, je vais quitter, je vais créer. Voilà, voilà, on perd du temps là, putain. Tu fais perdre du temps, vieux. Non, tu nous fais perdre du pognon, ça me saoule. On s'enlève tous les jours de la semaine. Oh là là! Excepté le samedi. On sera pas là le samedi. Le samedi, on dort ou alors on fait autre chose. On cuve, je pense. Ça va. Le programme, ça va être essentiellement celui-là. Oh putain. On fait des trucs. Le samedi, on fait quelque chose. On peut faire ça aussi. Et sinon, on sera en live tous les jours de la semaine à partir de 17h, sauf le mercredi à partir de 16h. Voilà. Donc si vous ennuyez ou si vous vous dites putain, mais genre, c'est trop bien. Oh, je viens de poser une question, les tons de chat. Ah mais attends quoi? Mais si on l'a lit le chat. T'as un décalage, connard. T'as le mec qui va jamais sur Twitch, c'est pas comment ça marche. Il y a un décalage. Quand tu nous entends, nous on te voit tout de suite, on te répond tout de suite, mais tu le vois que 20 secondes après, je crois. Et quelques. non attends, je alors on crée la game. Donc Jésus qui est en train de nous régler tous les petits problèmes techniques. Il n'y a pas de problème technique, t'avais qu'à rejoindre dans le temps. Bah ouais. Ça fait 20 minutes déjà qu'on devrait y être. Putain de merde. Lancer Rum something. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, tu veux pas te mettre à jour? Non, il a pas envie. Hein. Hop. Bah attends, parce qu'il est en train de me connecter là, tranquille. Faut pas le brusquer, on va y aller doucement, on va lui laisser le temps. Aïe, c'est bon.